Ça n'arrive pas qu'aux autres, manifestement. Donc je voudrais d'abord vous remercier. Je voudrais évidemment tous vous saluer. Je voudrais aussi le partager avec Vincent Trémollet de Villers, qui a inspiré cette phrase que j'ai mise à la sauce normande. Je voudrais vous dire que faire de la politique quand on est une femme en Normandie, c'est s'exposer plusieurs fois par semaine et parfois plusieurs fois le week-end à des tripes, ce qui explique évidemment... Je vais me mettre à votre gauche, comme ça, on ne perdra pas le son. Voilà, la réflexion, les tripes font partie, les tripes font partie du quotidien des sénateurs de Normandie. Et donc, forcément, j'y ai pensé. Et lorsqu'on m'a interrogé, évidemment, sur Gérard Larcher, qui est Ornais, j'ai pensé que c'était une bonne idée d'associer Gérard Larcher à la fois aux tripes et au quinoa, qui est évidemment un produit plus light, mais dont nous avons très peu l'usage quand vous êtes élu dans un territoire rural comme le mien. Voilà, donc... C'est la raison pour laquelle vous m'avez sélectionné. Merci beaucoup. Si vous voulez bien vous mettre devant le panneau pour la photo.